Monsieur Nordine Benaïdja, bonjour. Bonjour. Alors, la formation des élus locaux pour une efficacité et une efficience de gestion au profit des citoyens, cette formation que vous avez lancée depuis le 6 mars dernier au niveau du ministère de l'Intérieur, est nécessaire pour vous, au niveau de votre département ministériel, pour initier les élus locaux, nouvellement bien sûr élus, sur la gestion de leur commune? Très bien, merci beaucoup pour nous accueillir aujourd'hui et je vous salue, je salue tous les auditeurs de la chaîne 3. Oui, tout d'abord, c'est une formation très importante, surtout en début de mandat pour ces élus, afin qu'ils maîtrisent les compétences des communes et leurs prérogatives. C'est une formation initiée par le ministère dans plusieurs domaines, 9 modules de formation qui sont programmés, qui s'articulent principalement sur la gestion administrative et financière des communes, afin que les élus locaux soient au courant de leurs prérogatives, de leur marge de manœuvre et ce qui dans le cadre du développement local. Mais cette formation touche tous les domaines de gestion au niveau local, c'est-à-dire la gestion de la finance, vous l'avez annoncé à l'instant, l'administration, les ressources humaines, le contentieux, la gestion aussi, par exemple, de l'aménagement du territoire, l'urbanisme, mais également les aspects liés à l'environnement. Tout à fait. Bon, c'est une première étape. On a lancé le mois de mars, qui va continuer le mois de mai. Et ça s'articule sur 9 modules liés à la gestion administrative, comme vous l'avez si bien dit, les finances locales, les marchés publics, le contentieux, les ressources humaines. Il y aura une deuxième étape qui sera lancée le mois de septembre prochain, qui s'articulera sur des thématiques plus précises, plus pointues, notamment la gestion environnementale, l'aménagement du territoire, la gestion du patrimoine, l'investissement. Ce sera des thématiques qui seront en relation avec les différents départements ministériels qu'on est en train de préparer. Mais cette formation a été déjà initiée depuis 2008, mais à chaque début de mandat, on forme les élus locaux à travers tout le territoire national, les 1541 communes du pays, sur la gestion des collectivités locales. Pourquoi choisir seulement le début du mandat? Pourquoi ne pas assurer une formation continue durant tout le mandat des élus locaux, à savoir les 5 ans? C'est la nouveauté pour cette fois-ci. On a commencé, comme je l'ai dit, avec les modules liés à la gestion courante, à la gestion directe, pour prendre en main directement la gestion des communes, et ça va continuer tout au long du mandat par des séminaires, par des formations thématiques. On a pris contact avec nos collègues du ministère de l'Enseignement supérieur afin de programmer des cycles de rencontres et des cycle de conférences thématiques pour les élus, pas uniquement les PAPC, tous les élus locaux, et avec d'autres départements ministériels, afin que ces élus soient à jour par rapport à ce qui se fait au niveau central et par rapport à la politique de l'État. Mais y a-t-il eu une évaluation de ces différents cycles de formation initiés depuis 2008? Est-ce qu'il y a eu des étapes pour un peu essayer d'améliorer et d'ajuster cette formation en fonction du contexte, en fonction bien sûr des mesures qui sont prises par votre département ministériel, à savoir celui de l'intérieur et des collectivités locales, parce que tout change, hein, même la constitution a changé. Bien sûr. Bon, d'ailleurs, avant le lancement de cette formation, les préparatifs ont commencé dès le mois d'octobre dernier avec des ateliers pour l'actualisation des programmes. Le programme qui est dispensé cette année n'est plus le programme qui a été dispensé il y a 5 ans de cela. On a pris en considération toutes les modifications, notamment introduite par la Constitution, telle que la démocratie participative, le rôle du citoyen et de la société civile dans la gestion locale, et aussi tout ce qui a été introduit par la loi de finances 2022 en matière de finances et de taxes locales. Aussi, ça a été pris en charge tout ce qui concerne les programmes, les PCD, les programmes communaux de développement, qui ont été élargis afin de prendre plusieurs missions qui n'étaient pas couvertes lors des derniers mandats. Alors, initier les élus sur les notions de gestion locale, mais vous avez aujourd'hui cette aussi revendication qui est exprimée par les élus qui vous disent que qu'on a des connaissances nécessaires à la gestion, mais en revanche, on n'a pas les outils nécessaires pour la mettre en œuvre, en clair, pour agir et réagir. Ils n'ont pas suffisamment de prérogatives. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question? Elle est vraie? Ou elle est fausse? Bon, on essaye, nous, de travailler sur deux volets. Le premier volet,
c'est la formation. C'est leur faire connaître leurs prérogatives. Bon, dire qu'on n'a pas assez de prérogatives, c'est aussi, d'une certaine part, une ignorance de la loi elle-même. Et c'est le rôle de la formation. En parallèle, il y a une commission qui a été installée par Monsieur le Premier ministre sur instruction de Monsieur le Président pour revoir le code communal. Et cette commission, qui est composée de cadres et aussi d'élus et d'experts, qui travaillent actuellement afin de revoir l'actuel code. Alors l'argent, c'est le nerf de la guerre. L'objectif aujourd'hui, c'est de booster les collectivités locales pour une exploitation maximale des richesses locales, au profit bien sûr du citoyen, exploiter aussi tout le patrimoine, matériel et immatériel. Mais comment cela pourrait se faire en l'absence d'un code de la fiscalité locale dont on parle depuis pratiquement une dizaine d'années aujourd'hui, monsieur Nordin Benidja? Oui, c'est vrai que le code de fiscalité locale a tardé pour se matérialiser ou pour se concrétiser, mais il y a des dispositions incluses dans d'autres textes en vigueur. Il y a la loi de finances 2022 qui a mis l'accent sur deux taxes importantes, la taxe foncière et la taxe d'enlèvement des ordures, ces deux taxes ont complètement été revues par rapport à l'assiette et par rapport au recensement des contribuables, qui vont permettre d'augmenter l'autonomie financière des collectivités locales. Il y a le futur code de l'investissement qui va donner aussi des prérogatives pour l'investissement, pour les zones d'activité au niveau des communes. Et il y a, comme je l'ai dit, le code communal qui va apporter aussi des améliorations dans ce domaine, notamment pour assurer une certaine autonomie financière et diminuer la charge des collectivités locales par rapport et leur dépendance par rapport au budget de l'État. Alors la volonté aujourd'hui des pouvoirs publics, à savoir le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales, mettre tous les outils nécessaires au profit des élus locaux pour une meilleure gestion des collectivités locales, au profit bien sûr du citoyen, pour qu'il n'ait plus demain à se plaindre des questions par exemple de ramassage des ordures. Tout à fait. Qui relèvent des prérogatives des élus locaux. Tout à fait. De la commune. Tout à fait. Collectivité locale. On agit sur... Cette année, il y a un nouveau module qui a été introduit, c'est la communication. Et la communication, nous, on la voit sur trois volets différents. Le volet interne à la commune, propre entre élus et fonctionnaires. La communication avec les instances qui sont en relation avec la commune, notamment les autorités hiérarchiques, la wilaya et la centrale, afin que toutes les synergies soient mises dans le même sens de travail, dans l'intérêt du citoyen. Il y a aussi, et c'est très important, la communication vis-à-vis du citoyen lui-même, pour le faire participer à la prise de décision, que ce soit le citoyen en tant que personne, et aussi tout ce qui est société civile. Alors, communication en direction des citoyens, en mettant en œuvre réellement cette démocratie participative qui est aujourd'hui constitutionnalisée. Dans quelle figure? Dans le texte suprême de l'État. Tout à fait. Bon, nous, on a déjà initié un travail sur la démocratie participative. Il y a déjà un guide qui a été élaboré par le ministère, qui a été diffusé au niveau local sur la démocratie participative. Il traite de trois volets, un volet sur les relations avec la société civile, un volet sur le budget participatif et un volet sur l'évaluation participative du service public. Et là, on est en train de préparer aussi une formation ciblée autant que pour les élus que pour les cadres supérieurs, tels que les chefs de daïra, qui ont un rôle important aussi d'intermédiaire avec les citoyens. Les wali également. Les wali également, tout à fait. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cette démocratie participative. Est-ce que c'est une culture qu'il va falloir impérativement ancrer dans l'esprit des élus locaux, de telle sorte à savoir communiquer avec leurs concitoyens, les mettre au fait un peu de toutes leurs préoccupations, les écouter et surtout mettre en œuvre leurs revendications? C'est pas les écouter pour les écouter, c'est-à-dire prendre en considération leurs revendications de telle sorte à éviter des tensions qui pourraient être créées ou pour la distribution par exemple de logements sociaux ou par rapport des routes qui n'ont pas été réalisées ou par rapport au manque d'eau. Vu que nous traversons une période un peu de sécheresse et nous allons vers un mois de Ramadan qui est un mois de consommation par excellence, également de l'eau. Tout à fait. La communication ou la démocratie participative vis-à-vis du citoyen est très importante. Elle lève certaines ambiguïtés. Bien sûr, c'est une culture qui s'apprend. C'est vrai que ça commence juste à se développer. Mais on a constaté que quand le citoyen est écouté, quand il participe à la prise de décision, il y a une acceptation de la décision après. C'est vrai que les budgets, que ce soit le budget de l'État ou les budgets communaux, ne peuvent pas tout prendre en charge. Il y a des priorités. Pour
tracer ses priorités, il faut faire participer le citoyen à l'élaboration de ses priorités. Quand ces priorités ont été élaborées en concertation avec le citoyen comprend le pourquoi de la chose et adhère au projet. Et on a constaté que là où il y a communication, là où il y a participation, il y a moins de contestation. On évite en amont tout ce qui est contestation, on évite en amont tout ce qui est contentieux entre les élus et la population d'une part, et aussi entre les élus et l'administration d'autre part. Voilà. La numérisation, c'est un axe primordial et essentiel aujourd'hui, puisque nous savons qu'au niveau du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, des pas de géant ont été réalisés par rapport, bien sûr, à l'état civil. Mais est-ce qu'il faudrait aller plus loin dans la gestion locale, aller vers cette numérisation qui permet une plus grande transparence? Parce que par, maintenant, par une page web, on peut communiquer aussi avec ses concitoyens. Tout à fait. Et on parlait de démocratie participative et de relations avec les citoyens. Toutes ces nouvelles méthodes, toute cette technologie moderne participe à cette culture et à l'implémentation de cette culture de communication. Le ministère de l'Intérieur, c'est vrai qu'il a commencé par tout ce qui est état civil en matière de numérisation, mais on ne s'est pas arrêté là. Il y a plusieurs applications qui ont été déployées au niveau local sur le suivi des projets, sur l'écoute du citoyen. Il y a actuellement une plateforme HKI qui est directement reliée au niveau central, où le citoyen peut déposer ses requêtes et être ses requêtes sont suivies du niveau local au central. Il y a aussi en matière de, je reviens en matière de formation, il y a une plateforme de formation à distance qui a été déployée par le ministère de l'Intérieur, qui a servi à la formation de plus de 4000 agents de l'état civil sur les techniques de communication, sur les techniques de gestion de l'état civil. Il y a aussi tout ce qui est système de ressources humaines, système informatique de ressources humaines. Actuellement, le ministère de l'Intérieur dispose pour la première fois d'une cartographie globale des effectifs au niveau local en temps réel. C'est un tableau de bord très important pour la gestion des ressources humaines, que ce soit pour les élus eux-mêmes ou pour l'administration centrale. Tout ça, ça a été numérisé. C'est vrai qu'il reste des pans entiers à franchir, mais on est sur la voie et on a franchi plusieurs étapes. Mais qu'est-ce que vous entendez par cette cartographie des effectifs au niveau local? C'est un système d'information qui regroupe l'ensemble des effectifs du ministère de l'Intérieur, que ce soit au niveau central au local. On est à plus de 300 000 fonctionnaires au niveau des collectivités locales, notamment au niveau des communes. Et actuellement, on peut un élu ou un OLI ou un chef d'Aira ou même un directeur au niveau central peut, par un tableau de bord, savoir telle personne, elle se trouve où, dans quel service, quelle est sa carrière, par quoi elle a débuté, quelle est son expérience, est-ce qu'elle a besoin d'une formation. C'est un outil aussi d'aide à la décision en matière de tout ce qui est nomination, tout ce qui est besoin de formation. Alors, quand on parle de la démocratie participative, il y avait certaines pratiques qui existaient par le passé, qui n'existent plus malheureusement aujourd'hui. Bien sûr, vous avez mis en place un moyen pour que le citoyen porte sa voix et que sa voix soit entendue par ce site, c'est-à-dire de doléances. Mais pourquoi le livre de doléances au niveau des collectivités locales a totalement disparu? Il n'existe plus, il n'y a plus d'espace. Quand vous rentrez une commune, vous le trouvez pas. Bon, alors que c'est le premier outil qui permet déjà sur place d'exprimer sa revendication ou son mécontentement ou si on est aussi satisfait. C'est-à-dire ça va dans les deux sens, content ou mécontent. Oui. En principe, ce document ou ce registre existe toujours au niveau de toutes les administrations. Moi, je ne le vois plus au niveau des communes. Par contre, les nouvelles générations, les jeunes, préfèrent tout ce qui est informatique, toutes les nouvelles technologies. Mais à la commune, les vieux et les jeunes, ils vont. On voit de plus en plus de communes qui ouvrent des pages sur les réseaux sociaux, qui ont des sites internet, et on voit une interaction par rapport à ces moyens de communication modernes, sans bien sûr négliger les moyens traditionnels tels que le registre de doléances, bien sûr. Qu'il faut peut-être réinstituer. Oui, tout le temps.
Monsieur Nourdine Mdaïdja, moi je voudrais revenir avec vous, puisqu'on a abordé la question de la numérisation, qui est devenue aujourd'hui un outil incontournable d'aide à la décision, aussi pour agir et réagir, pour avoir un peu les données justes. Même le président de la République, il a énormément insisté sur la question de la statistique et la fiabilité des chiffres. Le système de l'information des ressources humaines est-il aujourd'hui suffisamment fiable au niveau de votre département ministériel, puisque vous initiez les élus locaux sur ce système? Oui, tout à fait. Bon, c'est un système qui a été déployé il y a de cela 2 ans. Il y a des modules au fur et à mesure qui sont intégrés au système. C'est un système qui permet d'avoir un tableau de bord global sur la situation des effectifs au niveau local, que ce soit au niveau des communes ou des wilayas. Et c'est un outil d'aide à la décision pour les gestionnaires, que ce soit les élus, les PAPC, les WALI ou au niveau central. Ça permet aux gestionnaires d'avoir plusieurs indicateurs et plusieurs statistiques sur le taux d'encadrement. D'ailleurs, on a remarqué ces dernières années un taux d'encadrement qui s'est élevé, qui a bondi un peu. On est arrivé à un certain pourcentage assez intéressant au niveau local. Et ça permet aussi un redéploiement des effectifs, assurer un redéploiement des effectifs sur les différents services des communes. Un PAPC peut savoir actuellement là où il y a déficit de fonctionnaires, là où il y a un surplus de fonctionnaires, et essayer d'avoir un équilibre sur les différents services des communes. Le réseau de formation a-t-il été renforcé aujourd'hui pour dispenser cette formation à travers les 1541 communes que connaît aujourd'hui le pays, notamment les communes des wilayas nouvellement créées? Tout à fait. On travaille sur le renforcement du réseau de formation du ministère de l'Intérieur. Partout dans le pays. Ne pas rester juste à l'ENA d'Alger? Tout à fait. Il y a l'ENA, bien sûr, d'Alger. Il y a 5 centres de formation des personnels des collectivités locales répartis sur le territoire national: Oran, Béchar, Ouergla, Djelfa et Constantine. Il y a 3 autres qui rentreront bientôt en fonctionnement à Annaba, Steif et Tiert. Et il y a la nouvelle école des ingénieurs des villes à Tlemcen, d'où la première promotion qui va sortir dans les jours qui viennent, qui va renforcer les collectivités locales en matière de compétences techniques, de cadres techniques, dans 2 domaines principalement: l'aménagement urbain et l'environnement. On a 133 cadres en matière, c'est des inspecteurs d'hygiène et d'environnement qui vont renforcer les collectivités locales, et 145 ingénieurs en gestion urbaine qui seront affectés aussi au niveau des communes prochainement pour y travailler. Il y a la nouvelle promotion qui va rentrer prochainement, on a le concours qui sera organisé juste après Ramadan, Inch'Allah. Et on est en train de travailler aussi sur la refonte des 5 centres de formation afin de réintégrer aussi la formation spécialisée ou la formation initiale pour les grades intermédiaires. Vous savez qu'au niveau local, il n'y a pas que des cadres, il y a aussi des cadres intermédiaires, tels des attachés d'administration, des comptables. On en a vraiment besoin et on a enregistré un déficit ces dernières années. Les centres de formation vont être réformés afin d'assurer une formation dans ces grades-là. Aussi, on a intégré tout ce qui est technologie moderne à travers la plateforme de formation à distance. Le Covid aussi, il y a beaucoup d'inconvénients pour le Covid, mais aussi ça a eu des avantages et un impact positif sur tout ce qui est numérisation, notamment en matière de formation. La plateforme a permis la formation à distance des élèves de l'ENA, a permis la formation à distance des élèves de l'école des ingénieurs des villes et a permis aussi la formation des agents de guichet sur l'ensemble du territoire national. Actuellement, c'est plus la peine que de se déplacer du sud vers le nord pour suivre une formation. On peut suivre la formation au niveau de son bureau à travers la plateforme Tawasol, qui est un site de formation à distance du ministère de l'Intérieur. Mais par exemple, est-ce que les administratifs locaux qui ont été désignés pour la gestion de certaines collectivités locales, il n'y a pas eu de représentativité pour les élections, les dernières,
subissent aussi la même formation. Alors, ils sont déjà initiés puisqu'ils sont issus de l'administration. Oui, les instructions ont été données pour intégrer ces gestionnaires dans le cadre de la formation des élus. Bien que c'est des fonctionnaires qui ont une certaine expérience, qui ont une carrière derrière eux, mais on a préféré aussi les initier dans le cadre de cette formation, de les faire participer à cette formation afin qu'ils soient au courant de toutes les nouveautés qui ont été introduites en matière de gestion locale. Alors, au niveau aujourd'hui de communes, ce que nous constatons, c'est qu'il y a une configuration multiple de représentativité des partis politiques à travers leurs élus. Mais comment faire en sorte, est-ce qu'il n'y ait pas de divergence entre les différentes couleurs politiques existantes au niveau des collectivités locales et qui peuvent arriver à terme à peut-être à des blocages au niveau des communes? Est-ce que vous apprenez à ces élus comment aujourd'hui cohabiter pendant la période de mandat pour ne pas avoir quand même des communes qui soient en situation de blocage? Tout à fait, on a parlé tout à l'heure de la communication, c'est important aussi la communication entre élus, au sein du conseil lui-même, de discuter, de débattre par rapport aux projets inscrits, l'orientation du développement de la commune qu'on veut donner. Assurer la transparence. Tout à fait, et c'est un point très important afin d'éviter tout blocage. On essaye de régler ça en amont pour éviter les blocages entre élus. Quelle que soit leur couleur politique, ils doivent travailler dans l'intérêt public, dans l'intérêt du citoyen. C'est ça. Puisqu'ils représentent aussi tout leur parti politique. Alors, est-ce qu'il y a aussi des notions qui sont aujourd'hui introduites pour la formation des différents gestionnaires au niveau local? Je parle bien sûr à toutes les étapes, à travers la commune, la daïra et la wilaya, de telle sorte à un meilleur discernement des prérogatives des uns et des autres. De telle sorte, est-ce que le wali n'empiète pas sur les prérogatives de la commune, puisque ce sont des élus, or que lui, c'est un représentant de l'État qui est nommé par décret présidentiel. Même principe pour le chef de daïra, monsieur Nordin Ben Ija, puisque certains disent qu'aujourd'hui, nos prérogatives sont concentrées aux mains de l'administration et non pas aux mains entre les mains des élus qui sont élus par par la population. Tout à fait. Bon, l'un des objectifs. Parce qu'un élu, il a plus de prérogatives qu'un gestionnaire administratif. Tout à fait. L'un des objectifs de cette formation, c'est de préciser le rôle de chacun. Mais on a vu parfois, il y a empiètement des prérogatives. Oui, il y a empiètement des prérogatives parce qu'il y a méconnaissance de la réglementation, méconnaissance des textes, et il y a aussi des fois un empiètement en cas de défaillance de certains responsables ou d'autres doivent prendre le relais afin d'assurer la continuité du service public et d'assurer la satisfaction des besoins des citoyens. Toujours dans le cadre de la formation, pour dire que la formation des élus n'est que une partie de la stratégie de formation. Il y a tous les cadres du ministère à différents niveaux et différents échelons vont suivre des actions de formation. Par exemple, en parallèle de la formation des élus, actuellement, on est en train de former les chefs de daïra sur tout ce qui est gestion de projet. Et c'est l'une des recommandations de la dernière conférence gouvernement OLI. C'était l'une des recommandations d'assurer une meilleure maturation, un meilleur suivi des projets. On a initié un programme de formation en matière de gestion de projet qui est actuellement dispensé aux chefs de daïra et qui sera en deuxième temps dispensé aussi aux élus locaux. Mais certains vous disent aujourd'hui ça ne sert plus à rien d'avoir des chefs de daïra. Est-ce que c'est une question qui sera peut-être discutée dans le prochain code communal et des collectivités locales? Cette question aussi est posée aujourd'hui puisque vous avez les communes et vous avez le wali. Pourquoi un intermédiaire? Et parfois c'est lui qui empiète sur les prérogatives des élus locaux. Bon, toutes ces questions seront débattues lors des travaux de la commission de préparation du code communal. Qui sera bien sûr soumise à l'enrichissement, puisque le président demande aujourd'hui à enrichir tous les textes qui doivent être promulgués pour éviter de commettre les erreurs antérieures. D'ailleurs, même ce comité intègre des élus, ils sont membres de ce comité, il y a même des experts qui sont membres de ce comité, qui comparent ce qui se fait dans d'autres pays, qui essaye de faire ressortir la meilleure manière de gérer les collectivités locales. Alors, la formation des secrétaires généraux des communes également est
prise en charge ? Tout à fait. Elle sera reprise. On va reprendre cette formation après le mois de Ramadan, inchallah, le mois de mai. Il y a tout un programme qui concerne plus de 1400 cadres au niveau local, dont les SG de communes, les SG de Daïra et les chefs de service au niveau des wilayas, les directeurs au niveau des wilayas. C'est un programme qui a été tracé, élaboré, il est fin prêt et dont on débutera le mois de mai, Inch'Allah. Les receveurs fiscaux, puisqu'ils ont un grand rôle aujourd'hui pour le recouvrement de la fiscalité locale, monsieur Benaïdja, oui, même oui. principe. Oui, oui, les receveurs fiscaux, ils dépendent d'un autre département ministériel. Mais vous avez dit on travaille ensemble. Oui, oui, tout à fait. Tout ils à sont fait. Au niveau local. Tout à fait. Ils dépendent du ministère des Finances. Des Finances, et on travaille en collaboration avec le ministère des Finances, avec les institutions de formation du ministère des Finances. Ils doivent être formés aussi, oui, bien sûr. Sur le recouvrement de la fiscalité locale. D'autant plus que la loi de finances 2022, qui a intégré de nouvelles dispositions fiscales au profit des communes, parle du rôle de ces agents au niveau local pour le recouvrement, le recensement et le recouvrement de ces taxes au profit des communes. Alors quand on va aujourd'hui, par exemple, dans une commune, quand on va dans une daïra, ou quand on va au niveau de la wilaya pour le retrait des documents d'état civil, on a affaire déjà au préposé des guichets. C'est le vis-à-vis de la commune, le premier, parce qu'on ne va pas rencontrer à l'entrée ou au niveau des guichets le maire ou le vice-président de l'APC ou le responsable de l'hygiène, etc. On rencontre les préposés. Est-ce qu'il va falloir aussi instituer une charte d'éthique et de déontologie, la manière de recevoir la population, les former sur cette notion de prendre en considération les préoccupations des citoyens ? Tout à fait. L'état civil, par exemple, vous avez des périodes où il y a une forte concentration au niveau de la commune, par exemple à la rentrée scolaire, ou pour des documents actuellement pour l'élaboration de l'allocation chômage. Il y a une forte pression pour amener tous les documents. Il faut qu'on soit bien reçu au niveau de la commune. Tout à fait. Cela se fait dans tous les pays du monde. Nous, on a l'impression qu'on les embête quand on va à la commune. Oui, tout à fait. Les préposés au guichet, c'est le premier visage. Hein. Le citoyen, quand il rentre dans une commune, c'est le premier qu'il voit, c'est le préposé au guichet. Être à la disposition du citoyen, ne pas parler au téléphone. Tout à fait. Au moment où on demande un document d'état civil. Tout à fait. Actuellement, on a initié un programme de formation pour les agents de guichet. Et l'un des modules importants, c'est la communication et l'accueil. Il y a actuellement 1700 agents de guichet qui suivent ce programme de formation à distance à travers la plateforme Tawasol. Il y a aussi, vous avez pu constater qu'il y a une certaine amélioration des conditions d'accueil du citoyen, notamment par la digitalisation et la numérisation des services de l'état civil. Maintenant, le citoyen n'est plus obligé de se déplacer au niveau des guichets. Parfois, on est contraint de le faire. Oui, il reste quelques documents. Retirer son passeport, on se présente personnellement pour signer. C'est obligatoire. La carte d'identité. Tout à fait. Il y a parfois et souvent, on est contraint de nous déplacer au niveau de la commune. On travaille pour la carte grise du véhicule. Oui, tout à fait. Mais on travaille sur le temps d'accueil et on a constaté que le temps d'accueil au niveau des communes a fortement diminué. Avant, pour retirer son passeport, on attendait une moyenne d'une demi-heure. Maintenant, vous pouvez retirer votre passeport en 5 minutes. Il suffit de signer et vous avez votre passeport ou votre carte d'identité. Il n'y a plus les formalités administratives ou le contrôle de dossier. Tout se fait à travers les nouvelles technologies, à travers les plateformes mises en place. Alors aujourd'hui, c'est la rigueur qui est exigée au niveau des collectivités locales, puisque c'est le vis-à-vis du citoyen. On va d'abord en premier à la commune pour une quelconque revendication. Est-ce que les critères de recrutement sont nécessaires de les mentionner ? Tout à fait. Choisir des personnes qui sont accueillantes et qui maîtrisent surtout leur domaine et ne pas avoir des gens qui sont là. Quand ils connaissent quelqu'un, ils le reçoivent, ils lui règlent le problème et les autres, ils attendront. Ça peut prendre une journée, deux journées, trois journées. Tout à fait. L'une des traditions qui a été abandonnée à un certain moment, c'est que la formation préalable à la nomination à un poste ou à l'affectation à un poste. On essaye de reprendre cette méthode, hein, cette bonne méthode, afin de former les gens et les préparer à occuper un poste. Je vous ai parlé tout à l'heure de la réforme des établissements de formation du ministère de l'Intérieur, les centres de formation qui seront
prochainement érigé en institut de formation, et on va ouvrir des formations initiales au niveau local afin de former préalablement à l'occupation du poste. Mais en cas de dépassement, vous agissez, vous réagissez automatiquement. Bon, alors on a besoin de poster une vidéo sur les réseaux sociaux pour qu'il y ait une réaction immédiate. Mais bien sûr, il y a tout un dispositif dans le cadre du statut général de la fonction publique, de la réglementation en vigueur en matière de gestion des ressources humaines qui prévoit des sanctions en cas de dépassement, en cas de constatation d'une erreur grave d'un fonctionnaire. C'est tout à fait normal. Alors la numérisation aujourd'hui, c'est devenu un outil incontournable dans tous les domaines, également dans le domaine des médias. Est-ce que ça permet aujourd'hui une meilleure efficacité de gestion au niveau des collectivités locales, et c'est ça que vous disposez en termes de formation aux élus locaux ou aux gestionnaires locaux, on peut le dire, puisque la formation concerne même les chefs de daïra ou le personnel de la daïra, le personnel de la commune et ceux aussi de la wilaya, y compris les walis. La numérisation assure plus de transparence, plus de rapidité et plus de suivi et de contrôle des actions menées au niveau local. La gestion reste une compétence des élus. Le ministère fait en sorte de suivre ces élus, de les encadrer, de leur offrir les moyens nécessaires à une bonne gestion moderne au profit du citoyen. Et il y a un suivi de toutes ces actions à travers ces différentes plateformes, ces différentes outils de numérisation mis en place. Alors vous adaptez la formation en fonction aujourd'hui des régions, des localités. Si on prend par exemple les régions frontalières, vous adaptez cette formation en fonction bien sûr de ses spécificités locales, par exemple sur la question du troc au niveau des frontières. Tout à fait. Sur l'aspect lié bien sûr à l'investissement et au commerce. Tout à fait. Les programmes de formation ont été élaborés d'une manière qu'elles prennent en charge les spécificités régionales telles que les hauts plateaux, le Grand Sud, les zones frontalières. D'autant plus que c'est des cadres du ministère de l'Intérieur, plus de 200 cadres qui ont été mobilisés pour assurer ces formations. Ils sont en parfaite connaissance des conditions locales, des conditions de ces localités et aussi de la méthode d'enseignement, dirais-je, qui a été préconisé, c'est on évite tout ce qui est cours magistral. Là, on est en train d'appliquer les nouvelles méthodes d'andragogie, de la formation des adultes. C'est des petits groupes qui favorisent l'échange entre élus, l'échange entre formateurs et les élus, et l'échange des élus entre eux. Alors, vous retrouvez dans un même groupe des élus qui ont fait plusieurs mandats, quelqu'un qui a fait son premier mandat. Ça permet d'échanger, ça permet d'échanger les expériences et d'apporter des solutions à des problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, vous ne pensez pas qu'il y a une absence flagrante de communication et information à la population, surtout pour les projets qui seront engagés par ces derniers? C'est l'un des principaux objectifs de cette formation, c'est inculquer cette culture de communication et de participation du citoyen à la prise de décision. C'est une culture qu'on doit apprendre, c'est une décision des hautes autorités du pays, il faut impliquer le citoyen dans la prise de décision. Quelqu'un qui est consulté pour la réalisation d'un projet, il va participer à la réalisation de ce projet et il va participer à la mise en œuvre de ce projet et sa sauvegarde. Est-ce qu'il faut aussi avoir de nouvelles cultures? Vous avez cette question de l'auditeur qui me semble être très pertinente. Alors les formations initiées pour les élus locaux sont salutaires et bénéfiques, sont-elles obligatoires ou non? D'abord, cette question de l'auditeur. Y a-t-il aussi parallèlement une évaluation pour s'assurer de la parfaite compréhension par l'élu de ses prérogatives et du cadre législatif qui le régit, et de ce fait, cet élu pourra défendre son bilan à la fin de son mandat devant ses électeurs? C'est une culture, ça aussi. Hein. C'est toute une culture. Hein, c'est toute une culture. Ailleurs, cela se fait. Le plus normalement possible. C'est pour ça possible. Qu'on est réélu. Voilà. C'est plus le plus parce normalement que possible. Parce que l'élection, il n'y a pas de limitation de mandat pour l'élu local. Tout à fait, tout à fait. Et après, c'est le citoyen, c'est au citoyen de juger. Hein, quand il est satisfait des prestations. Tout à fait, tout à fait. Pour dire que cette formation n'est pas obligatoire, bien sûr, pour les élus, mais elle n'est pas obligatoire, c'est-à-dire on peut être invité à une formation, on ne s'y rend pas. Mais on a constaté que tout le monde y participe.
Voilà, il y a une volonté des élus locaux de se former, de prendre connaissance de leurs prérogatives. Et il y a un système d'évaluation, je ne dirais pas d'évaluation, mais d'appréciation de la formation. Il y a un formulaire à remplir après la fin de la formation pour nous indiquer les manques qu'on peut combler, les rectificatifs à faire. Et sur la base de l'exploitation de ces documents, on améliore chaque fois le contenu du programme et le mode de dispense, comment dispenser ces formations. Alors, au niveau de la commune, il y a différents, bien sûr, services. Vous avez plusieurs services. Vous avez celui, par exemple, qui se charge de la question de l'environnement, hygiène et sécurité. La question de l'environnement, la propreté de nos collectivités locales, un axe primordial de formation. Tout à fait, tout à fait. C'est l'une des missions principales. Des fois, on a tendance à penser les grands projets. Que c'est la gestion, c'est les projets, alors que c'est aussi l'environnement. Tout à fait. C'est des choses basiques, mais essentielles. C'est le cadre de vie du citoyen. Une ville bien propre, c'est un cadre de vie agréable. C'est des citoyens satisfaits. C'est une manière aussi d'attirer les investissements, d'attirer des touristes, d'attirer et de faire augmenter ses ressources. Dans ce domaine, j'ai parlé de l'école des ingénieurs des villes qui forme des inspecteurs en matière d'hygiène. Actuellement, on a une promotion qui va sortir, qui va renforcer les collectivités locales qui ont été formées pendant 2 ans sur toutes les techniques modernes de gestion d'environnement, de gestion des déchets. Même les déchets peuvent générer des ressources. Tout à fait, tout à fait. Avec le recyclage. Tout à fait. On travaille actuellement avec les centres d'enfouissement, avec les EPIC chargés du ramassage des déchets. Le tri peut rapporter de l'argent. D'ailleurs, le plastique rapporte de l'argent. D'ailleurs, on a initié même une formation pour les agents de ramassage des ordures ménagères. L'année dernière, il y a 800 agents qui ont été formés et actuellement, il y a une action qui est en train d'être menée dans 4 wilayas pilotes, Djelfa, Tessemsilt, Boumerdès et Blida, pour la formation d'agents de ramassage des ordures ménagères. Il y a même un guide qui a été élaboré par le ministère, qui a été diffusé l'année dernière sur l'ensemble des communes, les 1541 communes. Et là, on est en train de former. L'année dernière, on a formé 800 agents. Et là, il y a une action qui est menée. Elle a été menée, une action de formation le mois de février. Et la deuxième, ça se passera dans 2 semaines, à partir du 27, au niveau des wilayas Tessemsilt, Djelfa, Blida et Boumerdès. Alors, bien sûr, avec le tri sélectif, on peut récupérer le plastique et bien sûr la commune pourrait le revendre et apporter de la richesse au niveau de sa collectivité locale. Le pain également, qu'on gaspille, on en gaspille énormément, on peut également le recycler comme aliment de bétail. Tout à fait. Il y a certaines communes qui ont même initié des bacs spéciaux pour le ramassage pour la collecte du pain. Bon, on a vu ça. C'est pas généralisé. C'est pas généralisé, ça reste des initiatives locales, mais c'est à encourager. Est-ce que aussi les collectivités locales ont un rôle important dans la formation que vous êtes en train de dispenser pour véhiculer aujourd'hui cette nouvelle vision de l'État, c'est-à-dire le compter sur soi de telle sorte à trouver des ressources, gérer la commune, comment on gère une entreprise. C'est pas évident, mais c'est faisable. Oui, tout à fait. Bon, il faut faire preuve d'ingéniosité, par exemple, le tri sélectif, récupérer le pain et le revendre, par exemple, à des éleveurs. Il y a un autre comme point. Aliment de bétail. Oui, tout à fait. Il y a un autre point très important. Mieux gérer les marchés de proximité. Tout à fait. J'y allais venir. Ils sont dans une situation d'insalubrité terrible. Oui, c'est la gestion de tout ce qui est patrimoine des communes. C'est un patrimoine qui peut rapporter beaucoup. C'est une source de financement des collectivités locales. Il y a certaines collectivités qui sont même en méconnaissance de leur propre patrimoine. Il y a une formation qui est en préparation sur la gestion du patrimoine et un renforcement afin de renforcer les ressources financières et l'autonomie des collectivités locales, notamment les communes. Même le symbole Mishab et la Cham ne figurent pratiquement plus sur l'enseigne de la commune et de la collectivité locale. Il faudrait le reprendre. Bien sûr. Monsieur Nordine Benaïja, merci d'avoir répondu et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée et à bientôt. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Au revoir.